Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Que j'ai acheté à Wilmington. Quand on est allé en Floride cet été, on a fait un petit détour vers là parce que j'avais vraiment le goût d'aller voir la maison de Brooke. Au départ, j'avais vraiment le goût de faire tous le genre de One Trail Tour. J'avais lu plein de vlogs, vu plein de TikTok pour finalement me rendre compte que il y a plein d'affaires full. En tout cas, si vous êtes fan de One Trail puis que vous avez comme plan d'aller à Wilmington pour faire comme aller voir toutes les affaires, le tricks, genre les cols, le banana, de tout, j'en ai lu vraiment. Moi, là, quand je voyage, là, si vous me suivez juste ici, ça fait longtemps, j'en ai pas parlé, mais quand je fais un voyage, je suis la personne la plus, genre, qui a lu le plus avant de partir, qui a organisé le plus. J'organise pas tant la liste parce que en vacances, je suis en vacances, mais j'aime ne pas perdre mon temps en vacances à chercher qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait que moi, je vais arriver à une place, puis je te jure que je sais qu'est-ce qu'il y a à faire. Genre, je te jure que je sais c'est quoi les meilleurs restos qu'il y a à faire. Tu sais, c'est vraiment comme, je suis organisée sans être stressée, genre, ça, si on peut dire ça de même. Fait que j'avais full lu sur Wilmington. On va voir, OK? D'accord? J'avais full lu là-dessus, puis en résumé, mettons, moi, ce que je voulais voir, c'était vraiment la maison Brooke, là, c'était vraiment ça. Et c'est comment, ben, je vais aller voir comme le pont, le bas de Nata et Ellie, nana. C'est moi, maman, le prends. Tu peux pas te naxer, ça a déjà trois fois qu'il t'a laissé. Non, je vais le garder, OK? Non. Là, on va aller faire tes cheveux. Juste lui faire du tien avant. Bon, on va ouvrir le chocolat, puis après ça, je continuerai à vous compter mon voyage à Wilmington. On est le 12, je crois. Non, le 13. Le 13, c'est les patins. Non, c'est difficile. Non. Attends, maman. Hier, il était là. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que c'est, son petit, les patins? Qu'est-ce que c'est, son petit? C'est des trucs. C'est quoi, son petit? Bon, mon chocolat. T'as dit qu'il était où? Si. Ah, oui, c'est ça, je vais prendre quel chocolat? Cookie and cream. Tu veux le prendre? Oh, tu as les chocolats. Moi c'est un normal. Maman. L'autre, quoi? Oui, tu manges-tu? Oui. Maman, ouvre-moi. Oui. Quoi? Tu pensais que tu me laissais? Non, c'est normal, je vais le garder. À moins que ton père veuille me donner le sien. Hein? Est-ce que demain tu pourrais me donner? On va voir, OK? Maman, ça c'est supposé être spécial, pas à chaque fois, là. Il a l'air vraiment bon. Mm. Miam, 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 miam. Donc, je disais avec mon petit cadet. Croque-le.
que ouais, j'avais full lu de blogs là-dessus parce que je voulais vraiment y aller puis tout, mais en même temps, je savais que notre temps était comme pas tant compté, mais dans le sens qu'on y allait en montant vers la Floride. Fait que c'était pas genre, on avait comme mettons quelques heures, tu sais. Fait que là, à force d'aller là-dessus, en gros, ce que j'ai lu, c'est que le Trix, ça valait vraiment pas la peine parce que genre c'est juste un mur de briques parce qu'on peut pas comme tu peux pas. En fait là, le gros que j'ai lu, c'est que 99% des monuments, des places de One Tree Hill, ça ne paraît plus que c'est One Tree Hill parce que ça a été détruit. Le terrain de basket a été construit que pour One Tree Hill. Fait qu'il a été défait après, fait qu'il n'y a plus de terrain. Fait que quelqu'un qui est vraiment fan puis qui veut vraiment aller, c'est du gazon devant l'eau, genre. Fait que c'est comme vraiment poche. Le banc de Nathan Haley a été déplacé. Fait que c'est même plus à l'original. La maison de Peyton, genre, il y a des... Tu la vois même pas tellement qu'il y a des... pas des barrières, mais genre... En tout cas, t'as pas accès, là. Elle était tannée, la madame, fait qu'elle s'est fait mettre des clôtures vraiment loin, fait que ça vaut pas la peine d'aller là. La maison de Lucas, la madame, apparemment, aussi, est vraiment tannée, fait que, genre, elle, comme, faut vraiment que si tu y vas, tu y vas subtilement. Puis le pont, full décevant, apparemment, en vrai, parce qu'il est tout petit. Fait que moi, après, je me suis dit, OK, on est arrivé de soir, quand, hein, j'étais comme un peu déçue, on va aller faire le pont, puis on va aller voir la maison de Brooke. Puis finalement, il faisait vraiment noir. Pis c'est ça. Fait que j'ai juste été voir la maison de Brooke qui était comme mon seul point, mais c'était hot, là. Genre, j'ai vraiment comme marché devant sa maison. Genre, puis rester devant sa maison. Je cabalais, j'y vais le rêve, quoi. Maman, le gros grand moule, il faut faire des vrais contours. J'en ai besoin pour faire un contour avec de la neige. Ouais, tantôt, quand les filles vont être parties, d'accord? Je vais te sortir tantôt. Pis c'est ça. Fait que finalement, je suis allée vraiment. J'étais excitée devant la maison de Brooke. C'était le soir, OK? Fait qu'on dirait que c'était encore plus spécial parce que j'étais genre seule au monde puis on voyait dans la maison, genre, parce que tu sais, quand t'allumes tes lumières puis là, en tout cas, je capotais ma vie. J'ai fait un TikTok là-dessus si vous voulez aller voir. Puis on est allé au magasin après de ça. J'ai acheté plein d'affaires. J'ai acheté genre 3 tasses. J'ai acheté un coton à thé de ça à Axel, justement, de le truc de Scott, là. Je me suis acheté un coton à thé, justement, 23, de voyons, l'équipe de basket. Fait que les Ravens, en tout cas, fait que, ouais. Puis une casquette de Brooke aussi, là, Close of a Bro. Les copines d'abord, fait que, ouais, je me suis contentée. C'était vraiment, je vivais un rêve, tu sais, là. Puis je suis quand même contente d'avoir juste été voir la maison de Brooke parce que, c'est ça, tu sais, mettons que je vais aller en fille, je dis pas que peut-être que je le ferai jamais. Je vais peut-être y aller avec une de mes amies, ouais, peut-être y aller avec Emile aussi à trip. Je vais vraiment faire le vrai, mais je vous le dis, c'est comme ce que j'ai lu sur les blogs, c'est vraiment comme décevant. Fait que imagine ceux qui lisent pas puis qui arrivent aux adresses puis que comme tu sais, ça paraît pas que c'est ça, ça paraît pas que c'est ça. C'est pas chiant. Fait que puis juste petite anecdote, si vous êtes fan de One Tree Hill, vous avez vu la genre de réunion partie de basket qu'il y a eu pendant que j'étais en Floride, genre on ne m'a pas mis au courant. Je capotais, j'ai zéro vu ça, genre je sais pas si c'est parce que je suis pas sur les pages de fans probablement, mais pendant que j'étais en Floride à Wilmington juste à côté, il y avait genre les Français puis tout. J'étais vraiment fâchée pour vrai, j'ai ouvert mon TikTok pendant 3 jours parce que c'était que ça, puis j'étais genre trop émotionnelle. Je vous niaise pas. Genre, c'est une vraie histoire d'amour, les frères Scott, puis moi. Axel? Oui. Ouais, on écoutait souvent les frères Scott, hein? Ouais. Ouais. On se couchait pas, Axel était comme, on met-tu les frères Scott? Là, j'avais recommencé, puis là, j'ai pris une pause parce qu'on dirait que c'est fou. Moi, je suis vraiment attachée au personnage. Fait qu'on dirait que je suis comme, si je m'embarque là-dedans, je sais que je vais pleurer à toutes les soirs. Fait que là, je suis encore restée dans mes séries de Netflix. Fait qu'aujourd'hui, plan de neige, j'ai déjà parti une brassée, j'ai méga lavage à plier. Parfait, tu peux aller le mettre là-bas. Méga lavage à plier, j'ai déjà travaillé genre 45 minutes vraiment efficace avant de réveiller les enfants. J'ai lavé ma machine à café, j'ai lavé ce meuble-là qui était comme sur ma to-do list. Pas mal ce que j'ai fait, les lunchs, blablabla, les filles sont prêtes à partir. Il est 7h21, fait qu'on est on time, en masse. Fait que je vais jouer, Axel veut faire de la fausse neige. Fait qu'on va faire ça. Je vais rouler mon lavage, puis je vais regarder avec Max tout ce qu'il reste à faire en termes de ménage. Parce que samedi, on reçoit ma gang d'amis
avec quelques enfants, bref, fait que je veux vraiment que tous les raccoins soient le plus propre possible et le plus rangé. En même temps, on peut pas faire trop d'avance parce qu'on a quand même des enfants qui vont foutre le bordel. Fait que je vais voir avec lui quel ménage qu'on peut comme s'avancer. Puis sinon, ben j'aimerais vraiment ça faire du spinning puis avoir un après-midi de travail full efficace pendant la sieste à Axel. J'ai vraiment avancé plus de trucs que je pensais. Hier, j'ai fini de travailler à comme minuit et que. Il était passé de minuit, puis genre, ça allait bien, là. Genre, j'ai avancé les affaires que j'étais supposée faire aujourd'hui. Fait que ça, j'aime ça dans ce temps-là, pour vrai, là. Mais les lundis que je fais genre des 12, très, plus que 12 heures, des genre 14 heures, je les aime vraiment parce qu'après ça, le mardi, ben, genre, je peux vraiment plus profiter. C'est ça. Fait que je vais aller finir de préparer les filles, puis après ça, on va jouer avec Axel, là. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à m'avoir demandé de vous montrer mes repas ou de faire genre une journée dans mon assiette. Enfin, je vais essayer le plus possible à, dans toutes les journées, dans le fond, de vous montrer qu'est-ce que je mange. Le livre. Oui, oh, wow, c'est Aladdin le livre aujourd'hui. Le livre. Vous allez vraiment pas être impressionnés, gang. Mon but, c'est pas de manger le plus clean possible, c'est juste de manger. Manger. ça, par contre, là, c'est à moitié dans mon plan alimentaire, là, parce que j'ai un plan alimentaire que je suis quand je suis bien motivée. Le vrai plan, c'est deux blancs d'œufs, un œuf complet, mais moi, j'aime pas vraiment le jaune d'œuf. Fait que je fais plus trois blancs d'œufs, puis ce qui coule, je le garde. Après ça, une toast pain brun, 5 méthodes, c'est toujours lui que j'ai pris. Voyons, mes amours. J'ai toujours pris du beurre de peanut naturel, sauf que là, j'ai recidivé. Je suis retombée dans le vraiment pas naturel croquant. Mon petit point faible. Voyons, les amours! Puis, je mets mon corps de tasse de petits fruits sur ma toast. Ça fait comme si c'était beurre de peanut confiture jusqu'à peu de ma vie. Et je fais mes œufs là-dedans. Ça me sauve tellement de temps dans le truc de Power, là, vieux comme la terre. Ça ici, petite faiblesse du temps des fêtes. Beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant, je faisais un café à tous les jours avec du vrai lait de poule. Mais depuis que... en tout cas, la dernière année que j'ai allaité, parce que vu que je ne pouvais pas prendre de produits laitiers, j'ai découvert ça, qui est le nog à l'avoine. Il y a du sucre puis tout pareil dedans, là, vraiment. Là. Genre 9 grammes de sucre quand même. Je prends pas une demi-tasse, par exemple. Là. Je prends moins que ça. Puis je m'en fais juste un, puis c'est juste le temps des fêtes. Mais c'est vraiment moins pire. Pour vrai, ça, c'est genre une fierté. Là. C'est vraiment moins pire que le vrai lait d'avoine. Fait que c'est ça, mon petit déjeuner. Soyez pas bien impressionnés, je vous dis. Je suis pas du genre à prendre toutes mes collations, petites affaires-là. Fait qu'on va voir ça aujourd'hui, à quel point je mange. Hey, on a... Les filles, ils attendent l'autobus et on a reçu, regarde... C'est quoi ça? On est allé au Céramique Café, puis mon ami est allé les chercher. Attends, c'est fragile. Dans le bagage, oui. La pièce de résistance, gang. Je vais les montrer à Axel. Non, non, je vais les donner. Je vais montrer. Attends, ok, je vais aller montrer celle-là. C'est maman, elle a pour toi un nouveau cadeau. J'ai un cadeau pour toi, Axel. Ouvre-le. Puis c'est ça, 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 c'est fragile. Regarde, c'est une banque que maman allait faire. Regarde, tu mets tes sous ici. Ok. Est-ce que tu l'aimes? Oui. C'est maman qui l'a peinturé pour toi. T'es-tu content? C'est qui qui l'a fait ça? Maman? Mais comment... Thank you.
Tip. Donc, vraiment pas original, mais mon Dieu, c'est ça que j'avais voulu manger. La même chose qu'hier soir, j'ai soupé le sobuco de coquette. Genre, il était vraiment bon, vraiment bon. Ça m'écœurait un peu parce que j'avais pas le goût de manger des pâtes à midi. Là. Trop de carbs pour rien à midi, mais c'est pas grave. C'est vraiment bon avec. Puis, hier soir, on mange une soupe, fait qu'il va au moins... moins de carbs. Papa. Fait que voilà, c'est vrai, est vraiment bonne. Si vous t'abonnez à Cookit, là, Osubuko, essayez-le. Beaucoup aujourd'hui, il est 7h33. Ça a été une autre bonne journée. Là. Je vous dirais que ce matin, j'ai été méga productive avec Axel. J'ai pas joué avec lui, mais j'ai aussi réglé plein de dossiers avec le petit téléphone à côté. Mais en jouant avec lui, j'ai comme quand même bien dosé un matin. Puis après ça, j'ai comme plié 6 brassées, toujours en réglant des problèmes. Puis après ça, j'ai fait du spinning, toujours en réglant des dossiers. Là, je sais pas si je vous en avais parlé, je pense que oui, qu'on essayait comme de reprendre l'avance dans la création de vêtements là, pour le new. Que comme on était déjà d'avance, mais là avec le COVID, comme c'est rendu encore plus intense. Fait que ça fait qu'on est là, puis on pédale, puis on pédale, puis on pédale pour être comme devant tout ça, puis reprendre notre avance. Fait que là, c'est tout le temps des échanges de courriels rapidos, des réponses qu'il faut comme chercher tout de suite. Puis moi, dans la vie, je suis tellement organisée que genre mes choses sont faites d'avance. J'ai comme un calendrier de mes choses, je sais ce que je fais pendant la semaine. Mais là, c'est comme au-dessus de nous, là, dans le sens que il faut comme être quoi. Fait qu'on dirait que ça tire du jus à tout le monde. Puis c'est ça, c'est des grosses semaines. Puis on était dans le creusage de tête à savoir quand est-ce qu'on faisait pas le prochain lancement, mais l'autre qui est quand même un très gros lancement. Ça fonctionnait pas, c'est dans le temps des semaines de relâche. C'est ça, fait que tout le monde s'en va en vacances, mais pas en même temps. Puis on peut pas le faire trop tard parce que là, après ça, ça va être le gros lancement. Fait que question de logistique, fait qu'on était comme dans une impasse aujourd'hui, en plus de comme... On dirait, on se posait des questions, genre, comme, parce qu'il fallait tout closer des dossiers séparément, genre. Fait que c'était des grosses journées ces temps-ci, puis ben, j'ai quand même été efficace à la maison, là. Mettons qu'on regarde qu'est-ce qui est tâches ménagères. J'ai lavé mon petit coin café qui était sur ma liste de avant fin de semaine. J'ai plié toutes mes brassées. Il y a quelques morceaux dans la laveuse. Je peux même pas partir de brasser tellement que mon linge est propre et placé dans les chambres. Fait que ça, je suis vraiment contente. J'ai fait le clean-up des deux chambres des enfants.
est propre depuis genre 3 semaines, là. Fait qu'à chaque comme 2 jours, je passe tout de suite. Fait que là, j'ai vraiment été comme en dessous du divan, d'un crack de divan. Je suis comme, au moins, je vais juste repasser un petit peu à tous les jours. Puis, c'est pas mal ça. J'ai aussi trouvé mes outfits pour vendredi et pour samedi. Puis, sinon, tâche de job, je devais préparer un lancement jeudi. Il va être passé quand vous allez voir ça, ou en tout cas, ça va être cette journée-là. De tout ce qu'il y avait au papa. Fait qu'il fallait que j'organise ça, que je fasse toutes ces affaires-là. Puis, j'avais besoin de trouver un. Tu sais, mettons, quand on a des prints comme ça, là, la plupart du temps, c'est moi qui les trouve par rapport. Mettons, je fais le mood board, après ça, Alex, ça dessine le vêtement, après ça, on décide vers quoi qu'on s'en va, vers quel print. Tu sais, mettons, exemple, ça, là. C'est genre ça. Puis après ça, Alex, elle va décider de. Tu sais, comme lui, mettons. On l'avait changé, on avait racheté C'est Noël, notre petit logo ici. Fait que là, on était dans un des ensembles loungewear qui est comme nos... Moi, c'est mes produits préférés, là, les ensembles loungewear. Le dernier qu'on a sorti, si vous l'avez, c'est le rose et crème ligné. Et les pantalons roses, ça a vraiment... C'est parti de même, tout le monde trie, tout le monde hâte que le prochain ça. Fait que j'ai trouvé le print pour celui-là. Fait qu'on a comme... Ça faisait longtemps qu'on avait le modèle exactement comme on voulait. Le tissu aussi, la composition de tissu, parce que ça aussi, c'est une autre recherche. Mais on savait comme pas quel print faire parce qu'on savait pas dans quelle saison sortir celui-là. Ça a été... En tout cas, justement, celui-là, ça a été tout un casse-tête, justement. Fait qu'aujourd'hui, j'étais allée choisir le print. On a choisi les couleurs qui fitaient avec cette saison-là. Alex allait finaliser le dessin. Fait qu'il va rester comme à l'envoyer pour recevoir notre premier échantillon. Fait que c'est tout un processus derrière ça. Et on a été 20 minutes à parler d'une étiquette, gang. C'est vraiment très drôle. On est très investis. On a comme une conversation à quatre qui est comme moi, Alex, qui est mon associé, puis nos deux bras droits. Puis de plus en plus, on les implique parce qu'on trouve qu'avoir quatre têtes, tu sais, des fois, moi puis Alex, on est tellement pareils qu'il y a des affaires qu'on pense pas. Puis c'est ça. T'sais, nous, on veut que notre public cible soit le plus large possible. Puis c'est ça, en ayant quatre mamans différentes, ben, autant pour les morceaux enfants que pour les morceaux pour nous, ben, c'est le fun d'avoir d'autres avis. Fait que, bref, on les inclut dans cette conversation-là quand on est en création. Puis là, on sort prochainement des trucs plus sport enfant, mettons, je vais dire ça de même. Puis les étiquettes, c'est vraiment niaiseux. On a passé 20 minutes à parler d'étiquettes. Genre la couleur, la longueur, qu'est-ce qu'on écrit dedans, comment ça va. Genre, est-ce qu'il y a de la place pour leur nom? Est-ce que c'est en noir? Est-ce que c'est en blanc? Genre, on était là à fond. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre, Marie était comme, Marie a un des bras droits. Est-ce qu'on peut juste décider, genre, l'étiquette? Parce qu'on parlait de ça, là, on parlait du loungewear. Là, on parlait du lancement de février. Là, on parlait, parce qu'on était, genre, une autre journée. Hein. Pour vrai, tout le monde, leurs vacances. Tu sais, on n'est pas tous en vacances dans le temps des fêtes. Mais ceux qui ont des vacances, ça va leur voir un petit bien. Puis même nous, là, mettons, le, ben, on va dire le 25, mais c'est le 26, c'est déjà le Boxing Day. Mais bref, les quelques jours de temps des fêtes en famille, ça va tout nous faire du bien. Fait que c'est ça. Fait que ça a été une bonne journée productive. Demain aussi, là. Demain, on est mercredi, nous. Fait que pas d'enfants à la maison. Je vais aller au gym. J'aimerais vraiment ça aller acheter comme du papier d'emballage. Puis parce qu'on reçoit samedi pour un party de Noël avec des amis. Puis dans ma chambre, j'ai comme tellement tous les cadeaux empilés que je me dis si je peux comme défaire les boîtes, faire des cadeaux pour que les cadeaux soient en dessous du sapin, ben ça libérerait ma chambre. Je sais que les enfants vont aller jouer là. Fait que en tout cas, ça serait une bonne affaire de fête. Mais c'est comme pas tant ma priorité, j'ai encore de la job à faire. Fait que c'est ça. Là, je vais aller dire au V qu'il se gère parce qu'il arrête pas de gueuler. Puis après ça, là, il est à tous. Puis là, c'est tout plein de dire, oh, j'ai besoin de mes pompes parce qu'il est énervé. Fait que puis mon bain va être froid. J'ai fait couler un bain. Je me suis dit que j'allais mettre un vlog comme dans le temps sur mon ordi. Je me suis coulé un petit. J'ai reçu tantôt un de la compagnie Amarula, je capote. Genre la bouteille. Fait que je me suis fait un petit fond avec la glace. Fait que là, je vais aller prendre mon bain. Je vais me prendre mon feu au rocher. Je pense que je vais me faire de thé après ça. Hey, sérieux, je vais aller. Moi, ça, là, quand les filles sont. Moi, ça me dérange pas qu'ils parlent, OK? Parce que vous êtes tout le temps en train de me demander comment ça va, les filles. Genre, dans la même chambre. Ça va full bien, OK, en général. Mais. Puis, ils parlent un peu, puis sincèrement, c'est. Ils s'endorment à des heures vraiment comme raisonnables. Fait qu'on les laisse parler. Tu sais, ils sont cute. Mais quand sont-ils? Quand ils sont énervés de même, là, ça vient nous chercher. Là, genre, le nombre de fois qu'on monte en haut parce que notre chambre est en bas et qu'on crie, c'est même pas drôle. Là, genre. En tout cas, fait que ça, un petit vlog. Puis, je vais aller chicaner les filles en passant. Fait que on se voit demain!